Et salut à tous et à toutes, c'est Bestix, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode sur The Walking Dead. Donc rappelez-vous, on s'était laissé juste après avoir pété cette vitre, ce qui avait attiré tous les zombies. Et il nous restait donc à aller chercher les clés pour aller chercher les médicaments pour Larry. Alors désolé, j'ai un petit peu de mal, hein. Je tourne 2-3 jours après la dernière série de tournage, donc on va aller chercher ça. Donc c'est sur le frère de lui. Alors vous m'avez tous demandé de monter le son du jeu parce que ma voix était trop forte comparée au son. Donc j'enregistre ma voix et le jeu de manière par un autre logiciel. Donc du coup je pourrais vraiment équilibrer plus facilement le volume. Hey bud. I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, you would die for them. So yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them, that helped. On va devoir tuer notre frère une deuxième fois. Je suppose que vous voyez le diamant. Mais... Ah, il vise beaucoup. Il vise la tête, mon petit. Ça va pas le tuer, ça. Il vise la tête, les autres, ils vont venir. Putain, mais t'es con ou quoi? Voilà, il a encore pas compris. Apparemment, la hache n'a pas une seule trace de sang dessus. Hein. Ne cherchez pas l'erreur. Allez, après, tu pars les clés. Voilà, donc je pense que vous remarquerez sûrement une différence au niveau de la vidéo. Donc on a les clés, nickel. Oh les cons. Run. Ok, donc on s'est fait cramer, les gars. Le problème c'est qu'on a pété le cadenas, donc du coup là, on est dans la merde. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Ouais, enfin, on l'a fait, mais à mon avis, ils vont venir nous faire chier maintenant. Hein. Je dis ça, je dis rien. We got the key. Mais great. À mon avis. God, you're amazing. Let's get in there. Ok, donc c'est parti. Bon, je sais pas s'ils vont venir, mais... Enfin, le truc, c'est que pour qu'ils viennent, il faudrait qu'on fasse du bruit, quoi, pour les attirer et tout. Donc, vu, je pense qu'apparemment, ils vont me laisser tranquille. J'espère, en tout cas, parce que c'est vrai que ça serait un petit peu le bordel si on attirait tous les zombies sur nous. Oh non! Oh putain, et juste avant que je dise ça, l'alarme qui va tout faire quoi. Oh le bordel. Alors là, je vous le dis clairement, les gants dans la merde. On va ramener tout le quartier. Alors là, les gars, ça sent pas bon. Là, je vous le dis clairement et sincèrement, ça ne sent absolument pas bon. Ça va ramener tous les zombies, les gars. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, je vais essayer de tourner deux épisodes à la fois, donc sûrement que je tournerai l'épisode 5 et 6 à la suite. Je dis sûrement, je vous le dirai au début de l'épisode 6 hein, si je le tourne à la suite. Mais il y a de fortes chances que je le fasse parce que. Doc, come on, maybe time to go. Je mettais pas le cimetière. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Kenny, comment c'est trop le boss, les gars. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Glenn, we need your help, please, hurry! Ok, j'arrive, les gars. Hey, Lee, we don't make it through this. You should know that... You're a great guy. We will make it through this. On va s'en sortir, les gars. If we don't make it through this,
You should know. Attention, déclaration peut-être. I should know what? Huh? You said I should know. Oh non, il va mourir. Are you sure? Shit. Oh non, bien sûr, sniper girl, les gars. Can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Par contre, elle va pas avoir munitions illimitées, les gars. Hein. Non, tu trouves un truc, Ah ouais, non, mais carrément, les gars, on était à 3 tout à l'heure, maintenant je vais un peu en chier. Hein. Je dis ça, je dis rien, les gars, mais bon. On est mignon, hein, mais bon. La canne de bavard. Bien joué, Clémentine. Allez hop, canne de bavard. On pourra servir. Non mais sérieusement. Oh non mais je crois qu'il y a encore un choix à faire. Oh non, ça ça pue le choix. Sniper Girl ou Doug. Le pro en manipulateur pour les télés. Oh la tête de Clémentine les gars. Alors, Doug ou Carly. Désolé les gars, moi je sauve Sniper Girl. En plus elle va pouvoir tirer peut-être pour sauver le gars. Bien joué petite. Boom. Boom. Oh non. Ah non, j'ai fait ça. Ah oui, sniper. Oh, dégueulasse. Let's go. Allez, bon, on y va. Bon, on sera à moins dans la voiture, les gars. Non. Ils auront pas. Putain, dégage. C'est qu'on a plutôt leur tout début. Dégage. Alors dégage les gars, avec le zombie derrière nous, hop, courez. Oh, je t'aime pas toi. What? Oh, t'as fait quoi toi? Oh, Larry, t'as fait quoi? Y'a le zombie derrière. Oh, Kenny. Oh. Oui, clic. Oh, merci Kenny. I love you Kenny. Oh, on dégage. Et... Oh, Larry, qu'est-ce qu'il a pas fait? Oh le fils de pute. Oh. Alors là les gars, s'il y a un choix à faire, ou est-ce qu'il faut laisser Larry mourir ou un autre, bah alors là les gars, on n'hésite même pas. Larry, on le laisse mourir. Oh. Non, je veux même pas qu'on le laisse mourir. Je veux le tuer moi-même. Alors là, Larry les gars, mais... Oh. Pitié qu'il meure. Oh mais... Oh ce bâtard. Oh là là. Toi tu vas le payer mon gars. Toi et ta fille vous allez le payer. Oh, je vous aime pas du tout vous les gars. Oh là là. Bon alors on est où là? Alors on est au motel apparemment. On a été dans l'épisode 3 si j'ai pas de bêtises. Dans l'épisode 3 ou 4. Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'était l'épisode 4. Non c'était l'épisode 4 pardon. Dans l'épisode 4 parce qu'on avait essayé de libérer la fille. Elle s'était suicidée finalement. Parce que je voulais pas devenir un monstre satanique. Enfin, c'est ce qu'il dit hein. Bon, bah là, on va... Il y a des survivants qui viennent de mourir. Donc, on va s'installer un petit camp provisoire, apparemment. Alors là, il y a le bâtard. Je vais te démonter, toi. D'accord. Hey, toi. Oh, comme il m'a fait non, stop. Je pense que je dois aller. À Atlanta? Oui. J'ai des amis là. And I just can't stay here knowing that they could be trapped. Regardez comment l'autre elle arrive en mode je fous de la merde. Nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. Là, regardez là derrière là. En mode moi mon papa il est con et je suis pareil. Là, regardez cette tête là. Ah, c'est ça, voilà lui. Et lui, non, stop, tu fermes ta gueule. Merci. Oh, regardez-moi ce. Genre en mode. Par contre, down. Je pense que c'est mon. Faut qu'il trouve ses potes. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon. Je t'aime bien le chinois, mais bon. T'as fait déjà beaucoup pour nous. I'm sure things will be. Va trouver tes potes. Let's hope. You guys be safe. Toi aussi. We'll try. Il était bien gentil, le chinois. Ah, c'était le petit moment en mode. Ah là là. Elle est morte.
Bon, alors qu'est-ce qui va se passer là? Alors, je viens de remarquer un truc. Alors, je sais pas si on va pouvoir le revoir avec la caméra. Oh non. Vous aviez. Alors, j'essaierai. Revenez en arrière dans la vidéo. Juste au moment où est-ce qu'il y a le chinois qui part, la plaque d'immatriculation en bas de la voiture marquée shit happen. La merde arrive. Hey Q. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Kenny, je l'aime bien. Vous avez dit qu'il était sympa, il a laissé mourir, mais. Yeah. Earlier, I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. J'adore ce mec. You got it. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que lui va jamais mourir. Je kiffe Kenny. Les gars, Kenny, c'est Kenny, quoi. C'est voilà. Je t'aime bien, Kenny. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont pas l'aimer parce qu'il a fait à la ferme. Mais... Alors, Sniper Girl, qu'est-ce que t'aimes dire? Elle cherche dans une boîte. How you doing, Carter? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met, and he was such a. It's just that I think that I liked him. Voilà, rassuré. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? D'abord, on entend les gamins qui parlent. What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Allez, retourne chercher dans ta petite boîte. Alors, le gamin derrière, t'as j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais t'es en train de gaver Clementine entre nous. Il est en train de l'écouter en mode je m'en fous. Alors qu'il est pas bleu. Oh, bâtard! Super Dinosaur toast! But you know what? Je l'aime pas ce bâtard. Oh, and then. Hey, Doc, Comment il a stoppé? Okay, sorry. En mode, hey, canard, tu t'étais? I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's. I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here. Oulala, les gars. Oh, man. La fille revient. Alors toi. What do you want? You like my daughter? Mais t'es sérieux? Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? Tu veux quoi, toi? I know who you are. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Mais tu vas te prendre une balle dans la tête, toi. Je vais te tuer à coup de pelle. Do you have a second? Et là, la petite fille là, qui arrive en mode « Est-ce que t'as une seconde? Papa va te tuer si tu me parles. » My dad would be dead if it Ah, ben j'aurais bien aimé. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Ouais, bah t'es gentil avec moi, mais moi je t'aime pas quand même. J'aime pas ton père, j'aime pas ta tête, j'aime personne. À part Kelly. That's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. Bah ouais, ça franchement c'est cool qu'on ait la lumière, on a les lits, l'eau. Yeah, you're right. On a pas mal de vivres. You know, guys, I think it's going on va peut-être s'en sortir. Ok.
Bon. L'électricité, les gars, on zappe. Il se passe quoi là? À suivre. Oh, c'est la fin de l'épisode 1, les gars. Ben dis donc, franchement, ça aurait été quand même assez vite. La prochaine fois, c'était Walking Dead. Attention, spoil. Ok, donc on s'en va. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Yeah! Oh, they can. You never let me. I know this is strong. Even back at the drugstore, whenever you thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him. Ah, mais je l'aime pas, ton père. What's happening? No more, please! No more, please! Ah, la fin badass. Ok, alors on a fini l'épisode 1. Donc je pense que c'est... Ben voilà, c'est même sûr et certain. L'épisode 1 se termine ici. Donc, mentir à Herschel. Vous voyez 36% des joueurs ont menti. Ok, je suis pas partie de la majorité. Qui s'abras-tu? Vous voyez 47% des joueurs à choisir. Bon, je suis pas dans la majorité. Se rallier à Kenny. Vous voyez 48% des joueurs à défendre Kenny. Bien sûr qu'on défend Kenny, les gars. Pistolet donné à Eren. Vous voyez, 55% des joueurs ont refusé de donner des pistolets. Et qui sauras-tu? De Go Carly. 76% ont choisi Sniper Girl, les gars. Personne l'aimait à Doug, apparemment. Bon, bah en fait, petit à petit, je me fais au jeu. Hein. Au début, j'étais pas du tout à la moyenne. Petit à petit, je m'aimais. Bon, bah au moins, voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Bah, du coup, on est à l'épisode 5, là. Donc, 5 épisodes pour faire. Bah, le premier épisode donc de The Walking Dead. Si je dis pas de bêtises, il y a 5 épisodes en tout par saison, il y a 2 saisons. Donc ça fera quand même des épisodes. Enfin ça fera quand même des. Une série assez longue, pardon. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Que toute cette partie donc de la saison 1 vous aura plu. On entamera l'épisode 2 dès l'épisode 6. Si je dis pas de bêtises, c'était l'épisode 6. Qui sortira normalement dans la fin de semaine, à peu près d'ici jeudi, vendredi, s'il n'y a pas de souci. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Pardon, j'ai un peu de mal en fin de vidéo là. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde, à la prochaine.